Allez, salut tout le monde, c'est Shinmutsuri, on se retrouve aujourd'hui pour le 20e épisode de notre Let's Play sur Monster Hunter World. Et j'espère que vous allez bien les amis, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, à l'heure où je vous parle, j'ai enfin récupéré Internet, mais je n'ai pas encore commencé le montage des deux précédents épisodes. Mais c'est pas grave, toujours est-il que là je reprends le record. Dans l'épisode précédent, nous avions affronté le Rathalos dans la forêt ancienne. Et aujourd'hui, notre objectif est d'aller faire la quête le tyran à cornes sous le sable, c'est-à-dire d'aller affronter le Diablos, chasser le Diablos. Donc c'est ce qu'on va aller faire maintenant, on ne va pas perdre plus de temps. Donc on va faire une nouvelle quête. Nous allons... je vais juste vous montrer dans les événements parce qu'il y a... le visiteur des Orzea Extrême. Ah, ça c'est un Behemoth. Et donc il est toujours là. Il est toujours là le Behemoth. Donc ça c'est avec FF14. Là on a aussi des quêtes en rapport avec Witcher. Donc c'est plutôt cool. Donc toutes ces petites quêtes sont ici. Je ne sais plus, sinon c'est quoi les autres quêtes Ah oui d'accord, voilà, ça c'est aussi un truc avec Witcher. Bref, bon, ça c'est les petites quêtes qui sont arrivées, les petits événements, là, les petits crossovers qui sont là. Donc on a un rapport avec Witcher 3 et FF14, donc c'est assez intéressant. Mais nous, ce qui nous intéresse... c'est le tyran à cornes sous le sable, la quête principale. Je pense que quand on aura bien avancé, peut-être fait une quête principale, j'essaierai de faire les quêtes événements, on verra. Toujours est-il qu'on est très loin de la fin du jeu pour l'instant, parce que si je me souviens bien, je crois que c'est 9 étoiles. Hein. On en est à 5. Mais bon, on verra ça. Allez, hop, c'est parti. On lance ça, on va aller au camp... On va aller au camp 1, vous savez quoi. Et puis on verra. Le temps que la quête charge, je vais aller à la cantine pour prendre à manger. N'oubliez pas que ça va être très intéressant. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Si on veut vraiment... si on veut survivre, on n'a pas trop le choix que de... prendre à manger pour résister au coup ou faire plus de dégâts. Sinon, bah, on va pas aller bien loin. Alors. Hop, pardon, cantine. Ah! Voilà. Alors, commander en Zeni. Surprise du chef, attaque. Nanana. Un repas qui augmente la vie. Un repas qui augmente votre force d'attaque. Un repas qui augmente votre défense. Sens élémentaire. Un repas qui active les talents courage. Un repas qui active les talents du jour. Artificier, expertise, vigueur, persévérance. Un repas qui augmente la vie. On va prendre ça. Hein. Limite, avoir plus de vie est plus intéressant. On va. Peut-être passer la quête, enfin la cinématique, pas besoin, on connaît. Voilà, et nous sommes partis. Hop, on va partir en quête. Si besoin, on fera des fusées de détresse, vu qu'on en a. On verra ça. Mais là, on est parti pour la quête. Du Diablos. Et on va voir. Comment ça se passe? Hop. Premier soin, ration, capsule sonore. Sensible, les avis sous-sensibles. On s'en fout, si besoin on viendra prendre, mais les fioles en général j'en ai absolument pas besoin. Alors on va prendre une ration. Voilà. Alors on a un peu plus de vie mais c'est pas non plus extraordinaire. Bon bah c'est pas bien grave. Hop, on va s'équiper de pierres directement pendant qu'on y est. Et nous allons aller à la recherche du Diablos. Donc pour ça il va falloir qu'on trouve des traces du Diablos pour augmenter notre niveau de recherche. Et à ce niveau là eh ben, on n'aura plus qu'à aller, à sa recherche directement. Alors voyons voir par où je vais. On va aller par là-bas. On va bien voir. Je suis sûr qu'on va pas mettre trop de temps à le trouver. Mais juste le temps de le trouver,
C'est vrai que ça fait. Le désert des termites, c'est pas une zone où on a été énormément. Enfin, on verra. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a ici. Le barot. Le barot. Voilà, oui, j'ai évité. Alors, le barot, on s'en fout, c'est pas lui qu'on cherche. Le barot, on s'en fout. Moi, c'est le Diablos que je cherche. Pour trouver le Diablos, bah. Il va falloir trouver les empreintes. Le barot. On est en train de trouver le barot. Enfin, on trouve que des trucs du barot et pas de Diablos pour l'instant, c'est un peu chiant. Barot, on s'en fout. Ah, des vieilles empreintes. C'est peut-être lui. On va aller chercher ça. Hop, les écofacts. On récupère tout ça. On va bien voir. Hop. Suivre la piste. Ah ouais. Donc c'est peut-être lui du coup. On va suivre cette piste-là. Si c'est bien et bien le Diablos, eh ben on ira au Diablos. Hop. On suit la piste. Hop, allez, on continue. Les vieilles éraflures, voyons voir. C'est peut-être lui, hein. Nouveau contrat disponible. Bonjour. Ah. Ah oui! Il est vraiment très très gros quand même, hein! Waouh! Le Elbarot il s'est fait fracasser! Bon. Waouh! Allez! Ok, bon, il est très très gros quand même, hein! Le Barot il s'est fait fracasser! Normalement, on n'a pas mis trop de temps à le trouver, mais ça c'est cool! Bon. En tout cas. Waouh! Aïe 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 aïe. Et pas. Pourquoi j'ai encore un essai là? Normalement, je peux plus. J'en sais être mort. Bon, écoutez, tant qu'à faire, on va en profiter. On va se prendre une petite ration de steak. Steak à point, magnifique. Allez, il est où mon petit steak à point? On va se le manger. Hop, voilà. Comme ça, on a pas mal de stamina.
Bon, il est un petit peu abusé ce mob quand même. Hein. C'est impressionnant comment il... Mais à un moment j'ai pas compris parce que j'ai appuyé sur A pour l'esquiver mais il a quand même réussi à me toucher. C'est... Ses coups sont un petit peu pétés mine de rien. Alors qu'il a plus de queue, il a plus rien. Mais non, il a quand même touché. C'est une blague. C'est une blague ce mob. Je préférais le Rathalos pour le coup. Largement. Le Rathalos, j'adorais, mais alors lui... Hop. Allez, Zo. Où est-ce qu'il est? Par là-bas. Allez, on y va. Bon, normalement, c'est sa dernière tentative. Hein. Ok. Voilà, super, c'est génial, je suis en plein dessus. Je l'ai esquivé. Réduction des dégâts subis. Mais allez là! Barre-toi de là! Putain, mais il se fout de moi, hein! Je vais très loin de lui, je vais me soigner. On va très très loin de lui, Wow! Il a fait quoi là? C'est quoi ça? Non mais c'est une blague! Alors, on va prononcer des potions parce que là. C'est une blague son truc là. Oh d'accord, il va faire que ça maintenant? Éventuellement, tu peux aussi t'arrêter 2 minutes là. Il ne suffit plus là, les potions. Ouais, ça a fait du mal, ça y a pas fait du bien ça. Fais quoi? Putain, je savais pas quoi faire. J'ai paniqué, j'ai bugué en fait. Je voyais qu'il faisait des trucs, je savais pas si je devais y aller et. Il m'a chargé, du coup j'ai m'en fait. Bon, ça va. J'ai encore envie. Ok, c'est bon. Je sais pas ce qu'il fait là. Allez, on y va. Non, on en profite. Ok, d'accord. Quand il fait ça, faut se barrer. Oh oui, bien joué! Bien joué le chat. Ça c'est beau ça. Pars-toi de là. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Oh. Il se barre. Oh, il se barre. Je pouvais plus bouger là. Je crois qu'il a pas apprécié là les derniers petits coups que j'ai mis. Il est là-bas. Ouais, prendre plus des méga potions pour le coup, ça sera peut-être plus intelligent. Coucou.
Oui! Voilà! Wow! Ah, la galère! Eh, presque une heure de record pour un putain de monstre! Mais il y aura un gros cut, hein. Il y aura un gros. Une grosse coupure, je pense. Je pense que la phase d'échec, je vais pas vous la mettre. Hein. Même si c'était intéressant, parce qu'il y avait un. Il y avait comment, quelqu'un avec moi, mais. Je pense que j'ai plus vous laisser la phase, la deuxième phase ou la dernière phase. Je sais pas. Je vais voir ça, je vais me débrouiller, mais. C'était chaud. Waouh, 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 c'était ultra chaud. Bon, moi, c'est fait. C'est une bonne chose de faite. Parfait. C'est parfait. Eh ben, les amis. Une torture. Je sais pas c'est lequel le pire entre lui et le de Garonne pour le coup. Le Rattalo, c'était une promenade de santé, mais alors lui, pouh. Mais c'est fait, on l'a battu, donc. Les deux objectifs qu'on avait à faire ont été fixés. Nous allons pouvoir retourner voir l'ancien Weaverien, vu que nous avons combattu les deux monstres qu'il nous a demandé. Hop, on récupère pas mal de morceaux d'armure. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Hop, et c'est bon. Hop, évanouissement x2. Ah non, je suis mort deux fois. Bah, pourquoi est-ce que je me suis vu mourir trois fois alors? Je sais pas. En fait, j'étais tellement long. J'ai mis tellement de temps à mourir entre les deux phases que du coup, j'ai cru que j'étais mort trois fois. Alors que ce n'est pas le cas. Bah, très bien. Et bah, écoutez, c'est parfait. C'est parfait. Ah, toi. Toi qui as prouvé ta valeur en arrivant au sommet. Tu peux désormais connaître le secret du dragon qui porte un volcan sur son dos. Le dragon est aux portes de la mort, mais la lumière de la ville l'appelle, l'éloignant de sa tombe. Il s'est aventuré dans la rivière éternelle et a perdu son chemin. Il est maintenant en passe d'y périr, chargé de sa brûlante énergie nourricière. La rivière éternelle relie les moindres recoins de ce continent, telles les artères d'un cœur palpitant. Si le dragon vient à y mourir, de vastes quantités d'énergie déferleront dans ses artères. Cette énergie embrasera alors le continent, le transformant en un désert fumant. Tel est le secret du dragon, tel est le destin de cette terre. Rien ne saurait arrêter la nature. D'accord. Mina, Shizukani. Dewa, Jokyo wo seiton shiyo. Karera no jinryoku de, Kodai Ryujin kara ikutsu ka jouhou wo eru koto ga dekita. Hitotsu, Zoran Magdaraus wa 地脈回廊に向かっている。2つ。マグダラウスは死を迎えた瞬間、溜め込んだ生命エネルギーを放出する。3つ。地脈は新大陸全土につながっており、万が一彼が地脈内で命を終えれば、放出したエネルギーによって新大陸が火の海となることが予想される。 そうしれ、ここは避難を優先しましょう。妹にも気球で避難するよう伝えます。それじゃ間に合わないよ。討伐しかないんじゃないの。しかし討伐した瞬間に火の海であることに変わりはねえぞ。渡りの古竜を討伐するということは、 新大陸の生態系を僕らの手で断ち切るということや。僕らがここに来た理由は他に。いいですか。でしたら回廊以外の場所に彼を導くというのはどうでしょう。ゾラマグダラウスを導く。調べたのですが、地脈回廊は海と近接した場所にありますよね。回廊にやってきた彼を どうにかして海側に誘導できれば。なるほど。海の中であればエネルギー放出の衝撃を和らげることができる。その後は彼の命を苗床に海の中に新たな生態系が築かれるだろう。問題が、以前報告した通り大規模作戦に必要な物資が枯渇しています。 それに、あの巨大な古竜の進路を変えるだなんて、一体どんな兵器を使ったら？大丈夫だ。
心配に及ばない。なぜならば。あれは。消えよったわ。待っていたぞ、船長。よくやってくれた。間に合ったな。物資を山ほど持ってきたぜ。バリスタ大砲の弾、何でもござるだ。それだけじゃねえ。ギルドはとんでもねえものを積んだ船を預けてくれた。最新式の対固流用兵器激流装だ。これがあればマグダラオスの誘導に強い希望を持つことができる。よし、ハンターたちは急ぎ地脈回廊に向かえ。具体的な説明は現地で行う。よろしく頼んだぞ。それでは我々に導きの青い星が輝かんことを。マグダラオスを見送りに行きましょう。私たち全員で。Bien, ben parfait les amis. Alors, on va avoir un gros bordel là qui nous attend visiblement. On va d'abord aller parler au commandant, voir ce qu'il a à nous dire. En y réfléchissant bien, ce n'est qu'après l'arrivée de la cinquième que nos recherches ont véritablement progressé. J'espérais que vous donneriez la commission l'impulsion dont elle avait besoin, mais vous avez fait bien plus que ça. Toi, tu es une véritable force de nature. Je suis fier d'avoir pris la décision de te faire venir ici. Bien, le temps presse, tu dois te rendre à la rivière éternelle. On passera en revue différentes tâches à accomplir une fois sur place. Bonne chance. Que l'étoile de Saphir soit avec toi, tes compagnons et la guide. Très bien. Bah parfait. Bah les amis, prochain épisode, donc on ira parler à l'assistante. Et à mon avis, ça risque d'être un gros bordel ce qui va nous attendre ensuite. Oula, il y a plein de... Ah, c'est la forge qui veut me parler. Je ne sais pas ce que veut me dire l'intendante, on va aller voir. Non, c'est le bazar, c'est pas l'intendante. Bazar, qu'est-ce qu'il va me dire? Eh l'ami, c'est maintenant ou jamais, on va être d'être ravitaillé, tu dois mourir d'envie de voir ce qu'on a reçu, pas vrai? Eh, j'ai de nouveaux articles en stock, viens voir ça. De quoi t'as besoin? Alors, qu'est-ce que t'as? Non, boomerang, jumelle, des amulettes, des appâts, ok. Il y a pas mal de petites choses. Ok, bon, il y a pas mal de petits trucs, mais on s'en fout. Très bien. Ok, bah les amis, prochain épisode, donc on ira parler à l'assistance. Je pense qu'à mon avis, la quête qui nous attend va être chargée d'embûches. Toujours est-il que cet épisode aura été... Mais oufissime, je suis mort. Alors, on a eu un échec, et ensuite, je me suis évanoui deux fois pour le truc. Donc là, je suis à plus d'une heure de record. Vous aurez un épisode d'une petite demi-heure, je pense, parce que je pense que je suis en train de... Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la première partie où on le rencontre jusqu'à l'évanouissement et je reprendrai au dernier évanouissement. Directement, je vais vous couper tout le reste parce que je pense que ça sert à rien que vous ayez un gros truc méga long. Mais au moins, on aura vu les plus il y aura le plus important. En tout cas, voilà. Les amis, merci en tout cas à vous d'avoir suivi cet épisode. Dans le prochain épisode, donc, on ira affronter la Zora Magdaro, j'imagine, ou je ne sais pas trop ce qui va se passer. Toujours est-il qu'on est en train de se préparer pour un méga gros combat. Et puis, bah, on verra ce qui s'y passe. Et bah, moi, d'ici là, bah, je vous dis à très vite, les amis. Et portez-vous bien. C'était Ishin. Salut à tous. Et merci. Bye.